Allez, on est de retour pour le premier quart de finale masculin sur cette pista centrale pour le Fee Prize box to box ici à Bandol. Le choc avec la tête de série numéro 2, Ramiro Valenzuela et Paul Hernandez Alvarez face à nos deux Français, Benjamin Gruet et Pierre Vincent. C'est un choc qui les attend face à deux jeunes joueurs ultra talentueux. On va un peu pour vous les présenter, hein, pour ceux qui ne les connaissent pas. Le mieux classé, c'est Paul Hernandez Alvarez, 114e joueur espagnol, en tout cas 114e joueur mondial tout simplement, 20 ans. Joueur de droite, Paul Hernandez, originaire de Granollers, 1m72, champion du monde junior, champion d'Espagne. C'est un prodige espagnol qui monte en puissance, très combatif, hostile, polyvalent, aussi à l'aise en défense que sur les phases offensives. Voilà, il est très dangereux, ce jeune joueur-là. Et avec lui, que dire de Ramiro Valenzuela, 149e joueur mondial, joueur de gauche, 19 ans. Il a déjà remporté 4 tournois FIP cette saison. Le FIP Prize de Viña del Mar avec Felipe Calleja face justement à Reichmann, Philemon Reichmann et Maxime Joris. Le FIP Promotion d'Alicante, toujours avec, alors cette fois-ci avec Paul. Le FIP Prize de Dubaï avec Paul Hernandez encore. Et le FIP Prize Delta Padel avec Paul Hernandez une nouvelle fois. 3 titres déjà cette saison sur les FIP pour ces deux jeunes joueurs-là. Ils sont ultra dangereux. Et moi, pour le coup, je trouve que c'est l'une des meilleures paires de ce circuit, de ce tournoi. La plus dangereuse en tout cas. Et face à eux, évidemment, on va vous les représenter. C'est la troisième fois qu'on les a dans le tournoi. C'est agréable aussi de voir Benjamin Gruet et Pierre Vincent. Et si on peut revenir un petit peu sur les parcours de Pierre Vincent et Benjamin Gruet. Alors Pierre Vincent, c'est une victoire ce matin 6-3-6-2 face à Nicolas Escavabaja et Benoît Dardenne. Et une victoire 6-0-6-1 face à la tête de série numéro 8. Et en face, une seule victoire pour Paul Hernandez et Ramiro Jesus Valenzuela. C'était ce matin 6-0-6-2 face à François Rajnic et Georges Weller. Le vrai choc, il est là pour ces deux joueurs. Pour ces quatre joueurs, pardon. Et ça s'annonce bouillant, ça s'annonce chaud bouillant cette rencontre. Et on retrouvera dès demain, ça y est, on va avoir, j'ai envie de dire, le tournoi qui démarre. Non, mais le dernier carré, et ça va être très intéressant aussi à voir. Et les finales, évidemment, de dimanche. Oui, donc on aura assurément une paire 100% espagnole en finale. Parce que Lucia Pérez Para et Ana Dominguez Gracia affronteront Maria Portillo Pérez et Ainara Pozuelo Dominguez, tête de série numéro 4 de ce tournoi. Elles joueront donc demain sur le central. Et avant cette rencontre, on aura Valeria Atencia Basilio et Ana Ortiz Gasco face à Carla Toulier et Jessica Gignier. Voilà notre seule paire française rescapée. On aura donc un match 100% espagnol à partir ce sera à midi, à partir de midi. Et l'après-midi sera consacré évidemment aux hommes avec donc les demi-finales qui démarreront. On ne connaît pas encore de demi-finaliste bien évidemment. On aura donc un match à 10h d'abord, un match à midi, puis ensuite ce sera un autre before, 2h30 de l'après-midi avant un match à 5h. Et après on aura donc la soirée des partenaires au tennis club de Bandol. Est-ce que Bandol est là ce soir? Faites du bruit Bandol!
Allez, ça va bientôt démarrer cette rencontre, le choc entre Ramiro Valenzuela, Paul Hernandez, la tête de série numéro 2 face à nos Français, Benjamin Gruet, Pierre Vincent. Ah, ça va pas être évident, ça va pas être évident, mais il faut jouer crânement sa chance. Voilà, on peut relancer les pronos pour ceux qui sont là pour la rencontre, comme tout à l'heure. On s'arrête à partir de la fin du premier jeu. Les pronos sont lancés et la rencontre peut démarrer. On va retrouver Ramiro Valenzuela au service. Ouais, très bien, là, de la part de Benjamin Gruet. Il va falloir dans tous les cas saisir sa chance face à ces deux jeunes joueurs. Il va falloir un grand Pierre Vincent. Ouah, et tout de suite. Oh, il a contré Benjamin Gruet. Regardez, hein, la puissance, l'énorme main de Ramiro Valenzuela. Réputé aussi hein, pour ça. Pour sa puissance. Le joueur de la Team Nox qui fait partie de la même académie hein, que Timio Fonteni et Johan Borona qui lui aussi vit à Barcelone. Allez, pourquoi pas aller chercher des occasions de break d'entrée. 15-30. Ouh là là, Benjamin Gruet qui remet encore, il a pas pu la remonter cette balle. Là, il fait un peu plus frais à Bandolin dans les conditions dans lesquelles on est, c'est parfait. Là, pour les joueurs, c'est beaucoup mieux hein, avec ce temps-là. Et 40-30, balles de jeu maintenant pour Ramiro Valenzuela et Paul Hernandez Alvarez. Oh, il la touche du bout de la raquette, mais ça va sortir le premier jeu en faveur de la paire hein, hispano-argentine. Allez, au service, Benjamin Gruet, pour revenir à un jeu partout. Allez, Pierre Vincent, allez, tout de suite, mettre de l'intensité, pourquoi pas sortir ces balles-là en par 3. Une de ses forces, évidemment, à Pierre Vincent, on le sait. 12e joueur français, Pierre Vincent. Un joueur qui a énormément progressé, qui apporte beaucoup de puissance hein, sur sa position à gauche. Il est pas loin de la remettre, la Paul Hernandez. 30-0. Celui-là, il est pas assez pour la reprendre. Pierre Vincent, mais regardez, hein, vous l'avez dit, il a un style un peu comparable à celui de Timéo. Je trouve Ramiro, même si voilà, il est pas très grand,
mais il envoie exactement pareil. C'est un joueur qui joue très très juste, qui pèse et qui envoie avec son bras droit. Ouais, c'est bien là. Ce jeu de Pierre-Vincent et Benjamin Gruy pour venir à hauteur, pour venir à un partout. Énorme de Ramiro Valenzuela, Paul Hernandez qui va taper le compte de Benjamin Gruy, cette balle qui va jouer avec la grille. Pierre-Vincent encore pour la remettre. Ah, elle va rester, elle va accrocher l'avant du filet. 40-30, dommage. Allez, 40-30 sur le service de Benjamin. Pierre-Vincent, faut déclencher. Ramiro Valenzuela qui arrive à contrer. Paul Hernandez encore une fois bien placé, très vif hein, dans son positionnement défensif. Ouais, et bien joué cette descente de vide de Pierre-Vincent, efficace dans les pieds de Ramiro Valenzuela, et ça fait un jeu partout. Ils reviennent à hauteur, les Français. Allez, c'est bien. Qu'est-ce que c'est fort hein. Qu'est-ce que c'est fort. Ramiro Valenzuela qui va essayer de conclure la grosse défense de Pierre-Vincent et ensuite de Benjamin Gruy. Etienne, les Français, la Chiquita ensuite de Benjamin. Allez, encore la grosse défense. Très bon lob là de Benjamin. Ils sont gênés avec Paul Hernandez. Ah, il faut le garder, il faut garder le filet derrière. Oh là 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 là. Bon, allez, faut de cette balle. Mais oh là là, et Paul Hernandez qu'il avait réussi à remettre dans le dos. Et ça fait jeu. Ça fait jeu, ça fait 2-1. Pour Paul Hernandez et Ramiro Valenzuela, très bon début de match pour l'instant. Des Espagnols, de l'Espagnol et de l'Argentin.
Avec 1-0 sur le service de Pierre-Vincent, il faut, faut revenir à hauteur. Hein. Tout de suite, ne pas laisser trop d'espace à Paul Hernandez et Ramiro Valenzuela. Oh là là, la grosse défense là de Benjamin Gru. Ils ont encore un Étienne Le Filet. La Paul Hernandez qui va déclencher la main parfaite et la précision de l'Espagnol de 20 ans. Il y a beaucoup de talent de l'autre côté. On l'a vu hein, déjà Ramiro quelques fois, deux coups de génie à cette fois-ci. C'est son coéquipier espagnol. C'est bien ça, Pierre-Vincent, encore. Cette présence à la volée, ça peut aussi faire leur force. Pas trop leur laisser d'espace à Ramiro et Paul Hernandez. Allez, 45. Ouh, il va l'avoir. Oh, magnifique. Magnifique. Ramiro Valenzuela, la détente. Allez, deux jeux partout. Au service. Ouh là là, Ramiro Valenzuela. C'est aussi une de ses forces, hein, son explosivité, arriver à la volée avec sa très bonne main encore. Ah, cette fois-ci, à commettre la petite erreur, Ramiro Valenzuela, 15 à maintenant. Oh là 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 là, encore, cette volée, elle est surpuissante, très très dure à remonter pour Pierre-Vincent. Surpris. Ouais, ça va sortir, attention. Et 45. Et ça va rester 3 jeux à 2 pour Paul Hernandez et Ramiro Valenzuela. Début de match parfait pour l'instant de la paire hispano-argentine sur ces jeux de service, en tout cas, et ils vont essayer d'aller faire le break au prochain jeu. Allez, petite page de pub, on se retrouve dans quelques instants, à tout de suite. C'est de la région, pas du sport de Marseille.
Allez, retour au jeu. 3 jeux à 2 pour l'instant pour Ramiro Valenzuela et Paul Hernandez Alvarez. Benjamin Gruet au service, 15-0 sur le jeu des tricolores. C'est bien fait aussi hein, de la part de Pierre Vincent. Ah, cette fois-ci, ça va sortir. 30-15. Ça va sortir. Allez, ils tiennent aussi sur leur jeu de service pour l'instant. Benjamin et Pierre, ça va être un véritable jeu d'échecs hein, cette rencontre. Il y a très peu de place pour l'instant laissée par les deux paires sur leur jeu de service. Ils profitent hein, de leur force aussi évidemment. Ramiro et Pierre qui sont capables de terminer avec leur puissance et bien servi de la part de Benjamin Gruet, la faute derrière de Paul Hernandez et ça fait 3 jeux partout. L'éclairage va arriver, Michel. Ce sera pour, à mon avis, le prochain match. Après, est-ce que vous avez besoin peut-être d'un peu plus de luminosité? Est-ce que vous voyez bien? Ce qu'il y aura évidemment la lumière pour le dernier match de la journée, ce long marathon. 16e, 8e quart de finale. Je peux vous dire qu'on est exténué ici. On n'a qu'une seule hâte quand même, c'est d'avoir la dernière rencontre. Elle va être incroyable. Et celle-là, on espère avoir une issue positive pour Benjamin et Pierre. Mais c'est dur. Vraiment très très dur sur le jeu de service de Paul Hernandez et de Ramiro Valenzuela. 4 jeux à 3 pour l'instant, aucune occasion de break.
Alors on va essayer de corriger ça, Michel, on va essayer de jouer un peu sur la luminosité. Là on a éclairci un peu plus. Est-ce que c'est mieux, Michel? On se réfère à toi. Alors on va retrouver Pierre-Vincent au service pour recoller à 4 partout. Ah top, top Michel, voilà, on trouve toujours un petit arrangement. Allez, 15A. Allez 15A. Allez 30-15A, allez, cette balle elle est faute de Ramiro Valenzuela. Beaucoup de déchets hein, quand même sur les jeux de service des adversaires à chaque fois. Mais le jeu de service là est très important, les conditions sont très très lentes. Et tout de suite hein, quand on prend le filet et quand on a deux gros frappeurs comme Pierre-Vincent et Ramiro Valenzuela, c'est toujours dur de lober. Regardez l'exemple, il est parfait là. Dès que Ramiro Valenzuela va tenter un lob un peu au milieu pour Pierre-Vincent, c'est du gâteau, trop facile pour terminer. Et exactement pareil pour Pierre et Benjamin, s'il y a un lob un peu mou au milieu, tendu derrière pour Ramiro Valenzuela, c'est exactement la même chose. Donc très très dur pour l'instant de contrer sur les jeux de service. Il y a très peu de solutions pour l'instant. Il faut un bon lob. La Paul Hernandez, il était pas loin, et encore une fois la présence à la volée de Pierre-Vincent. Oh, cette balle, il va revenir. Ça va revenir pour l'Espagnol. Paul Hernandez encore et Ramiro Valenzuela. Ouh là là, le réflexe de Benjamin Gruet. Incroyable. Et ça joue encore. Pierre-Vincent qui va la taper, cette balle, pour la sortir. Non, Ramiro Valenzuela encore. Les deux collés. Ah, ils ont repris le filet. Ramiro Valenzuela pour accélérer maintenant sur Pierre-Vincent, la Vibora. Et Paul Hernandez, il va être dessus. Pierre-Vincent au contre et le par 4. Ross a réveillé tout le public, ce point de Pierre-Vincent. Et 4 partout. Ils tiennent Benjamin et Vincent. Et ils tiennent Gru et Vincent dans ce jeu, sur leur jeu de service. Ils sont bien, c'est bien dans tous les cas ce qu'ils proposent. Et là on va avoir des derniers jeux avec ces balles et après avec des balles neuves sur le jeu de service de Benjamin Gruet. Pas une bonne nouvelle pour les adversaires. Donc c'est le moment de breaker. C'est le moment de breaker. Sur le service de Ramiro Valenzuela, pour l'instant je l'ai dit, aucune occasion de break. Là il va être encore position de contrer, le par 4 une nouvelle fois de Pierre-Vincent. Et il le sait hein, aussi Ramiro Valenzuela, s'il ne les sort pas derrière, Pierre-Vincent va pouvoir contrer. Ouais, le money time il est là. 2001, 2002, très collé 2. Voilà. Bon. Oui. Ah dommage, hein, dommage. Mais honnêtement, on est en train de retrouver un Benjamin Gruet en défense.
où il est intenable, il remet tout. Et entre le Benjamin de Caen et le Benjamin de Bandol, là c'est quand même bien différent de ce qu'on a vu. Hein. Il y a une présence à droite où il met à chaque fois en bonne position Pierre. Il lui construit le point. Ah, encore, hein, il arrive à la reprendre cette balle. Ramiro Valenzuela qui accélère, mais encore. Hein, là, c'est... Il a une énorme main, Valenzuela aussi. Comme Pierre Vincent. Dommage. Et encore, hein. Encore un jeu très sérieux de la part de Ramiro Valenzuela et Paul Hernandez. Ils ne laissent rien, aucune occasion à leurs adversaires. On va regarder, hein. Je vais vous montrer les statistiques. Hein. Aucune occasion de break, vous voyez, c'est ultra équilibré. On a quasiment les mêmes jeux. Quasiment les mêmes jeux, du 40-15 sur chaque, à chaque fois. Que j'étais en train de dire à Franck, la difficulté en fait là, ça va être de reprendre le filet quand t'es receveur. Dans les conditions comme ça, quand elles sont lentes, bah, l'objectif là de Ramiro et de Paul Hernandez, c'est de reprendre au plus vite le filet. Sauf que voilà, avec la présence de Pierre Vincent, la menace aussi, hein, de son bras droit, tout comme Ramiro Valenzuela, hein. Très très dur. C'est pour ça que pour l'instant les jeux des serveurs sont très peu disputés, vous les voyez, hein, souffrir derrière. Et là par contre il va être contré. Ramiro Valenzuela qui va aller chercher la grille. Benjamin Gruy pour contrer ensuite. Attention, hein, là, ils ont repris le filet justement l'Argentin et l'Espagnol. Benjamin Gruy qui va travailler au fond derrière. Ils ont changé de position, vous avez vu. Vincent qui est passé à droite et ils l'ont observé. Ils l'ont tout de suite vu. Et là,
Il se retrouve à 15-30. C'est la première fois que Ramiro Valenzuela et Paul Hernandez se retrouvent à 15-30. Et là, ils sont en train de serrer, peut-être de se créer une petite opportunité. Ramiro Valenzuela qui va déclencher. Oh, attention, les balles de 7. Balles de 7. 3 balles de 7 désormais pour Ramiro Valenzuela et Paul Hernandez. Alvarez, on a vraiment une partie d'échiquier. C'est vraiment un match de stratège. Et ils ont tout fait pour attendre ce moment. Ramiro Valenzuela et Paul Hernandez, ils ont totalement changé leur jeu dans sur le service de Benjamin Gruet. Retour tendu, c'est osé. Celui-ci, il va rester au fond. Allez, 30-40. Encore 2 balles de 7 à sauver pour Benjamin Gruet et Pierre-Vincent. Allez, c'est bien ça. Et sur le punto des oros, le break et surtout le set pour Ramiro Valenzuela et Paul Hernandez. C'est dommage pour Pierre-Vincent et Benjamin Gruet, mais c'est vraiment un set d'expérience déjà pour Ramiro Valenzuela et Paul Hernandez. Déjà plein d'expérience pour deux joueurs de 20 ans et 19 ans. Assez impressionnant le niveau de Ramiro et Paul Hernandez. Vous voyez les statistiques, les seules occasions de break sont arrivées dans le dernier jeu. 33 minutes, ça a été équilibré jusqu'au bout, mais ils ont attendu le tout dernier jeu Ramiro et Paul pour venir accélérer. Parce qu'ils ont senti qu'ils étaient mis en danger quand même par Benjamin et Pierre. Mais ça, c'est l'expérience aussi de joueurs à l'international, de jeunes joueurs qui ont l'habitude de ce genre de match, de cette adversité. C'est voilà, une vraie partie de stratège. Allez, retour au jeu dans cette deuxième manche et on va retrouver au service Ramiro Valenzuela qui va démarrer comme lors de la première manche. Allez, ils peuvent avoir les clés, hein, Pierre et Benjamin. Voilà, bien démarré cette manche pour venir rééquilibrer. C'est fort, très très fort. Encore une fois, ce que propose Ramiro et Paul Hernandez. Il a encore le retour, la sanction de Paul Hernandez cette fois-ci. Benjamin qui va pouvoir lober Ramiro Valenzuela, il est au fond, mais cette balle, elle est trop longue. Et on se retrouve dans le même scénario que de lors de la première manche sur les jeux de service de Ramiro Valenzuela, 45. Et Paul Hernandez pour conclure cette première manche, ce premier jeu de cette deuxième manche, 1-0.
pour Ramiro Valenzuela et Paul Hernandez Alvarez. Et deuxième jeu, troisième jeu consécutif maintenant. Allez, Pierre-Vincent au service pour revenir. C'est ce qu'on veut, hein, un break rapide, mais pour l'instant, ils n'ont pas les solutions. Voilà, il ne la touchera pas cette balle. Et 0-15. Gros travail hein, au fond de la pista pour Paul Hernandez et Ramiro. Valenzuela encore, Benjamin Gruet qui sollicite, Pierre-Vincent encore. La contre-vitre, il va être dessus, Benjamin Gruet encore. Pierre-Vincent pour essayer de la taper, celle-là elle va être dure et elle va sortir. L'effet magnifique de Pierre-Vincent. Taper celle-là aussi, Pierre-Vincent, parfait. Allez, un jeu partout. On stoppe un peu aussi l'hémorragie de ces trois derniers jeux encaissés. Thank you.
si c'était maintenant, si c'était maintenant l'occasion de break là pour Vincent Gruy, ils n'ont jamais réussi hein, à se créer cette occasion là. Ah, encore une fois, hein, très très bien servi par Paul Hernandez. Et ça fait 30-15 maintenant. Ouais, il a raison, il a eu raison de lui parler, hein. Benjamin Gruet, cette balle est bien faute, 30 à maintenant, allez. La grosse défense de Benjamin Gruet encore. Il va être dessus. Il va être dessus, Pierre-Vincent. Oui, les voilà, les occasions de break, enfin. Les occasions de break pour Pierre-Vincent et Benjamin Gruet. Alors, Maxou, réponse très simple, tout simplement parce que le padel s'est vraiment développé d'abord en Espagne et en Argentine. Ce qui explique aussi pourquoi aujourd'hui on retrouve beaucoup plus d'Espagnols et d'Argentins. Pour la petite histoire, ça arrive en 74 à Marbella en Espagne, on a eu les premiers terrains à Marbella. Et à partir des années 80, ça s'est développé en Argentine. Et de manière populaire, en Espagne c'était plus élitiste. Et c'est à partir des années 90 où en Espagne on a eu vraiment un peu ce qu'on connaît maintenant en France. Un fort développement et puis bah, l'accès tout simplement. Ah, le Punto de Oro qui tourne en faveur de Valenzuela Fernandez. Hernandez, pardon. Aïe, 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 ça fait 2-1. Bon, du coup, je reprends mon truc. Donc forcément, beaucoup plus de joueurs qui jouent, beaucoup plus de terrain, beaucoup plus de tournois, ce qui engendre aujourd'hui en France. Voilà, tout ce qu'on a en termes de développement. Mais en fait, tout ce qu'on connaît nous maintenant, l'Espagne et l'Argentine l'a connu il y a très longtemps maintenant. Donc pour eux, voilà, c'est ancré. Ancré, aujourd'hui, t'as des terrains de padel sur des universités en Espagne. T'as des clubs, t'as des terrains dans des villages. Le Francky qui gueule dans mon micro. Bon, je disais du coup, oui, il y a des terrains qu'on a dans les villages, des trucs comme ça. Et en fait, ça s'est vraiment développé d'abord là-bas, avant de se développer bien sûr évidemment en Europe, ici en France. Donc en fait, ce qu'on connaît nous maintenant, c'est ce qu'ont connu les Espagnols et les Argentins il y a des années. Donc forcément, dans la formation, ils sont meilleurs. Nous, en France, c'est ce qu'on essaye de mettre en place. L'Italie le fait. Et c'est ce qu'en France, on va essayer évidemment de mettre en avant. Mais aujourd'hui, en Espagne, par exemple, le padel a dépassé le tennis. Beaucoup plus de licenciés, beaucoup plus de terrain, beaucoup plus de joueurs. C'est vraiment devenu voilà, un phénomène de sociabilisation. Donc c'est vraiment différent dans tous les aspects. Mais ça s'explique par là, hein, par l'ancienneté tout simplement, Maxo. Et en France, ça viendra petit à petit. Faut être patient, faut du temps. Et je peux vous dire que déjà depuis 2017, on a bien bien avancé. Hein. Ah bah parce que justement on a les premières répercussions. Si en France on a des joueurs par exemple comme Timéo et Johan, c'est des joueurs qui sont justement qui ont commencé le padel très petit, avec de la formation, avec des joueurs qui avaient l'expérience aussi à l'étranger. Là c'est pas pour rien que Timéo par exemple vont continuer et Johan vont continuer leur apprentissage à Barcelone. Ça s'explique aussi par là, tu vois. Et à Barcelone, ça va leur permettre voilà, d'avoir une nouvelle étape, comme Ramiro Valenzuela qui a dû quitter l'Argentine du coup pour continuer à être formé. Et pour continuer à être formé et à Barcelone avec les meilleurs. Et avec les meilleurs jeunes du monde. Allez, retour au jeu 15-0 sur le 0-15 pardon.
Les occasions de break malheureusement effacées par Paul Hernandez et Ramiro Valenzuela. Ah, il va être court, impossible à reprendre cette balle. Mais après voilà, Maxou, c'est un très intéressant aujourd'hui qu'on ait des joueurs comme Timéo et Johan. Et bientôt, avec la formation qu'il y a avec les jeunes, on aura des joueurs issus 100% du padel qui n'auront pas touché une raquette de tennis dans leur vie. Et on aura peut-être un jour des joueurs qui jouent comme des Espagnols ou des Argentins. Mais aujourd'hui, voilà, je dirais pas que c'est du retard. Mais évidemment, ils ont énormément d'avance sur nous. Et on peut pas rattraper ça comme ça. Ouh, il s'est baissé Benjamin Gru pour que ça passe cette balle. Mais derrière, Paul Hernandez a joué dans l'espace libre. Et en Italie, par exemple, ça y est, ça commence, ils ont un grand fief de joueurs qui arrivent. Il y en a beaucoup dans le top 100, chez les hommes comme chez les femmes. Et petit à petit, on va avoir de plus en plus de joueurs. Hein, de... qui vont être justement dans le top 50 et qui vont venir, pourquoi pas, défier les Espagnols et les Argentins. Mais pour l'instant, voilà, il y a beaucoup de retard. Beaucoup d'avance pour les Espagnols et les Argentins. Alors, s'il y a un centre de formation, je pense pas vraiment. Je pense juste que là, par exemple, à la FFT, il y a des cellules justement de développement du paddle chez les jeunes avec la mise en place de tournois. Il y a Alexia Dechaume, par exemple, qui s'occupe de ça à la Fédération Française de Tennis. C'est pas vraiment des centres de formation. Mais on a des cellules qui sont mises en place pour le développement, en tout cas des jeunes, et pour leur encadrement. Et pour évidemment avoir un suivi... tout au long de leur carrière. On a eu le break, hein. On a eu le break de Ramiro Valenzuela et Paul Hernandez. Pendant qu'on parlait, Valenzuela et Hernandez ont fait la différence. Ça se complique sérieusement pour nos Français dans cette rencontre. C'est très fort en face, hein. Très très fort. Le bloc énorme de Pierre Vincent. Allez, faut aller chercher ce débreak. Hein. Faut aller le chercher ce débreak. Et voilà, c'est fait le débreak. Oh, la réaction enfin de Pierre Vincent et Benjamin Gruet. Oh, ça va faire du bien. Alors, on va se quitter quelques instants avec une petite page de pub. On se retrouve dans quelques minutes pour la suite de cette rencontre.
Allez, c'est dur, mais c'est mieux. C'est mieux, ils ont quand même des briques. Allez, pour revenir à hauteur, pour revenir à 3 partout, ils ont fait le plus dur, hein, très clairement, Pierre Vincent et Benjamin Gruet. C'est mettre le doute dans les têtes de Paul Hernandez et Ramiro Valenzuela en débréquant pour montrer qu'ils sont capables de venir déjouer justement sur leur jeu de service. C'est fort encore ce qu'il fait Paul Hernandez. Il accélère au milieu. Il est pris là, Benjamin Gruet. Aïe 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 aïe, la faute de Benjamin Gruet au pire moment. Oh non, c'est terrible, c'est le break. Oh là là, le débreak. Le break maintenant de Valenzuela. Et Paul Hernandez, 4-2, c'est dur. Ah, ça va être compliqué, hein. Ça va être compliqué. On va pas se mentir. Même si on a de temps en temps des très beaux points de nos Français, en face c'est très fort. Oh là là, la défense de Pierre Vincent encore, il va être dessus. Oh la mortie, il va être dessus encore. Benjamin Gruet encore. Oh là 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 là. Ah, il est sorti de la pista. Paul Hernandez, ça l'agace, hein. Il estime que Pierre Vincent a touché le filet. Il touche le poteau, hein. Je crois qu'il touche le poteau en sortant. Mais il dit non Pierre Vincent. Il dit qu'il n'a pas touché. Thank you.
Daïe est capable de faire quelques erreurs aussi. Ramiro Valenzuela. Dessus encore, et non, ça va sortir. Ramiro Valenzuela, parfait. Allez, 30 à. Ramiro Valenzuela et Paul Hernandez, ça fait 5-2 maintenant. Je vous l'ai dit, hein, c'est très difficile. Allez, retour au jeu, 5 jeux à 2 désormais pour Ramiro Valenzuela et Paul Hernandez avec un break d'avance tout simplement. Ça va être dur pour Benjamin Gruet et Pierre Vincent, tout simplement. Ouais, c'est plus fort, hein, très clairement. Hein. Pas grand chose à faire quand on voit le niveau de Paul Hernandez et Ramiro. Et Ramiro Valenzuela, et regardez encore, hein, le toucher de balle magnifique de l'Argentin. Ouais, il est talentueux, il n'y a rien à dire. Claque encore en l'autre de Pierre Vincent. Ouf, ils ont failli se gêner. Ah, elle va sortir cette balle. Et attention, attention, on se rapproche de la fin de cette rencontre. Dangereusement sur le service de Benjamin Gruet. 15-30 maintenant. Après une heure de jeu. Et comme je vous disais, mon favori c'était CE1, c'est Paul Hernandez et... Oh, elle a doublé. Aïe 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 aïe. C'est des balles de match, hein. C'est des balles de match pour Ramiro et Paul Hernandez. Elle sort pas cette balle. Au milieu, le réflexe encore de Ramiro. Ouais, ça va toucher, ça va accrocher la grille pour Paul Hernandez.
Ouais, c'en est terminé, la victoire de Ramiro Valenzuela et Paul Hernandez Alvarez. C'était trop fort, la paire argentine-espagnole était trop fort tout simplement pour nos Français. Battu 6-4, 6-2 en plus d'une heure. Ah, c'est dommage, c'est dur, mais... Il n'y avait rien à faire, hein, rien à faire pour Benjamin et Pierre. Il y avait cette première manche peut-être où il y avait quelques occasions, mais là. C'est le moment d'aller s'hydrater et d'aller se restaurer également. Impossible à reprendre. Et voilà, vous le voyez, c'était plus fort devant tout simplement. Et on va vivre dans quelques instants la dernière rencontre de la journée. Après ce long marathon, 7 matchs là, et on aura le 8ème dans quelques minutes. Dernier match en lice. Ça va venir en dans quelques tard, minutes. En attendant, justement, on est à loisir de faire connaissance d'ailleurs. Ce sera un petit peu prévu ça. C'est prévu. Le dernier match exceptionnel avec un local à la droite. La star montante du Box to Box Agency. Maxime Joris. Bastien Blanquet. Et Ramiro Valenzuela et Paul Hernandez que l'on retrouvera donc demain dans le dernier carré. Face à qui? Eh bien, soit face à Arthur Gugunac et Timéo Fontelli ou Bastien Blanquet et Maxime Joris. Et on va vite voir, on va vite voir.